Monsieur et Madame Baracato ont la joie de vous annoncer la naissance de leur fils. C'est aujourd'hui la naissance de votre album, Frédéric Pilepoil. Eh oui, ça sort aujourd'hui. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour à vous toutes, évidemment, bonjour à vous tous. Baracato, c'est votre nom de famille, évidemment. Oui. Alors c'est vrai que c'est très tendance, mais ça marche super bien. Reprendre vos grands succès et d'autres, peut-être qu'on connaît un peu moins, en duo. Donc 19 artistes partagent l'affiche donc, de cet album. Alors on va citer Frédéric, il y a Dave, il y a Daniel Lévy, il y a Salvatore Adamo, il y a Liane Folly. Il y a Laurent Voulzy, il y a Roberto Alagna. Benabar, bien sûr. Pour vous, c'est un plaisir parce que je pense qu'on le redécouvre, ces chansons, en partageant à chaque fois le micro. Oui, bien sûr. En fait, il faut dire que c'est Benabar qui a eu l'idée. Ah, c'est lui, Nous étions en tête du top et il fait une interview. Et dans l'interview, bien sûr, il relate sûrement la position du hit parade. Et il dit, voilà, moi, j'adore Fredo. Et mon rêve, ce serait de faire un duo avec lui et de chanter Je t'aime à l'italienne. C'est né comme et ça. À partir de là, ouais. Je me suis dit, waouh, je vais reprendre toutes les chansons qui sont dans la mémoire collective. Ouais. Et je vais téléphoner à tous mes amis et on va faire un album avec tous ces grands succès. Eh bien, ça donne ça. Regardez, donc, avec Elsa Esnou, avec donc Benabar, et on commence par Jean-Baptiste Guégan oui. à vos côtés. Regardez. Juste un peu d'amour, juste un peu d'amour, rien qu'un peu d'amour, un peu d'amour, pas de long discours, non, 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 mais juste un peu d'amour, mon cœur te dit je t'aime, il est perdu sans toi, mon cœur te crie je t'aime, à chaque fois qu'il bat. C'est vrai qu'on a envie d'en entendre encore plus. Alors comment s'est fait le choix des chanteurs? Est-ce qu'ils ont pu chanter la chanson qu'ils voulaient? Voilà, certains ont choisi d'office leur chanson. Voilà, Elsa, Mon cœur te dit je t'aime, Benabar, bien sûr, Je t'aime italienne. Ouais. Mais pour d'autres, j'ai choisi des chansons. Voilà, pour alors, par exemple, Laurent Voulzy, par exemple. Alors, on écoute quelques secondes la chanson avec Laurent Voulzy, qui est très très belle. Écoutons. Allez, d'accord. Écoutons. Le temps est un voleur, un des amours, un sablier sans cœur. Comment ça s'est fait avec Laurent, Frédéric? Ah bah, j'ai appelé Laurent ouais. et je savais qu'il faisait toute la tournée de toutes les églises. Et donc, il n'y a qu'une chanson qui pouvait lui aller dans mon répertoire, c'est « Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime, tant qu'il est encore temps ouais. ». Et donc, voilà. Pour Jean-Baptiste Guégan, j'avais choisi une chanson, juste un peu d'amour, mmh. où j'avais divisé, en fait, le rythme du rock. Et en slow, c'était l'idée. Alors, quand il a écouté la chanson, il m'a dit « Mais punaise, tu as écrit une chanson pour moi ouais. !» Et donc, voilà, et on s'est retrouvés... Jean-Baptiste Guégan, c'est impressionnant. Oui. On s'est retrouvés en studio, mais impressionnant. Ouais, il a participé. Voilà, j'ai essayé de le diriger, mais d'une façon très cool. Subtile. Voilà, subtile. Je voulais qu'il rentre dans mon monde en gardant vraiment leur identité. Et ça s'entend. Hein. Oui, et Jean-Baptiste a fait des voix. Il m'a dit, Fredo, ça te plaît. Voilà, on a passé des moments formidables et les chansons ont pris encore une autre dimension. Alors, très beau duo également. On va écouter quelques secondes. Liane Folly, c'est une copine de Télématin. Vous l'aimez beaucoup, Liane. Elle partage une chanson avec vous, ça s'appelle Amor Latino. Quelques secondes, écoutez Amor Latino avec Liane. Nos cœurs s'embrasent au creux d'un même lit, à la folie. Nos corps se serrent jusqu'au souffle coupé, à tout donner. Petite surprise pour vous, Frédéric. Liane, par le truchement de la télévision, et là, ce matin, elle a un petit message pour vous. Allez, d'accord. Écoutez, regardez. Bonjour Fredo et merci. Merci pour ce magnifique album de duo. Moi, j'étais vraiment très heureuse que tu m'aies conviée, entourée de tous tes amis. Nous avons chanté Amor Latino. D'ailleurs, je crois que le mot amour est celui que tu connais le mieux, non, dans la langue française. En tout cas, et dans toutes les langues d'ailleurs. En tout cas, une belle réussite. Nos fous rires me manquent. Alors, il faut qu'on s'y mette très bientôt. Je t'embrasse tendrement. Ben, merci, Liane. Quel gentil message. Voilà. Alors, bien sûr, il faut se dire aussi que la tessiture d'une femme ouais. n'est pas la même que celui d'un homme. Et donc, j'ai pris la voix haute. Ouais. Hein. Ouais. Et elles ont pris des tierces. Et donc, tout ça faisait une harmonie magnifique entre les femmes et moi. Ouais, alors, vous avez 50 ans de carrière, c'est incroyable. Est-ce que la passion, l'envie sont toujours intactes? Regardez-moi. Oui, ça se voit. A priori, on va répondre oui quand on vous voit, Frédéric. Regardez-moi. Ouais.
En fait, à chaque album, je suis un peu angoissée comme tous les artistes. Et voilà, j'essaye de donner, de faire de mon mieux, bien sûr, et de toujours étonner les gens. Et je me dis toujours, waouh, est-ce que je ne suis pas allée trop loin? Est-ce que dans les orchestrations, tu vois, dans les rythmes, dans les chansons? Et puis quand je vois que tout le monde chante les chansons et ça devient des disques d'or, je me dis, oh mon Dieu, magnifique. Johanna faisait référence à vos 50 ans de carrière. Alors c'est vrai que souvent, quand on ressort, entre guillemets, vos premières télés, on est en 72. Moi, je connaissais les documents de 72. Et alors, nos documentalistes ont retrouvé vos débuts en 70. 70? Ouais, moi je ne l'avais jamais vu. Donc c'est en Belgique? Oui, une chanson qui s'appelle Jean. Ah oui, c'est Lucien Maurice en France qui m'avait accueilli. Ouais. Et donc voilà. Et moi, je l'avais jamais vu ce document. J'étais dans donc le bureau, tout timide. Vous... Il est venu vers moi avec ses grands yeux bleus et tout frisé. Il m'a tapé sur l'épaule et m'a dit, moi, mon petit, nous allons réussir tous les deux. Il travaille à Europe 1. Oui. Regardez ce document qu'on a retrouvé, donc les débuts de Frédéric François, pas en 72, mais en 1970. L'amour te sourit, n'attends pas qu'il s'enfuit. Il faut dire oui aussi. Jean. Musique d'un film, en fait, ça. C'est vrai. 52 ans d'arrière. Oui, c'était la musique d'un film. Vous vous souveniez de cette période? Oui, complètement. Donc là, on est en Belgique. Voilà. À l'époque, le producteur voulait que je reprenne des standards parce qu'il voulait amortir son investissement. Et en fait, c'est quand j'ai dit non, laissez-moi faire mes chansons avec des chansons d'amour à la napolitaine qui déchirent le cœur, qui rentrent dans la vie des gens. À partir de là, ça a commencé à marcher très fort. Et le résultat, donc, c'est cet album de duo, 19 chansons qui vont nous faire du bien en ce moment. C'est vrai que l'actualité est terrible, Frédéric. Ces chansons d'amour vont nous faire du bien.